c'est une fois que l'école de musique Sainte-Trinité a organisé ses premières éditions et n'a fait ça dans l'occasion fête de la musique. Faut que moi dis nous c'est avec un sentiment de joie que nous organisons l'activité. Mais c'est avec tout un sentiment de tristesse. Donc, on dit qu'on mélange, l'un a gardé la situation à vivre. Mais l'École de musique Sainte-Trinité, qui est une institution de l'Église épiscopale d'Haïti, j'en vous dis là, passé de demi-siècle, nous existons. Nous formons un pile génération de musiciens, qui pour le moment ont un doctorat en musique, chef d'orchestre, compositeur et autres. Nous organisons événements aujourd'hui. C'est pour nous capables de célébrer la musique. D'abord, c'est la fête de la musique. Et dans la célébration, ça a tout. Nous avons célébré, mettez en valeur divers talents, musiciens, professeurs de musique, chefs d'orchestre que nous avons dans l'école. Là. Et c'est dans l'occasion, ça a tout. Nous avons fait mémoire de quelques personnages qui non seulement marqué la communauté musique, là, mais qui travaillent en pile pour l'école de musique Sainte-Trinité. Yé salié jodia. C'est mettre en valeur talent l'école de musique là et c'est ça qui fait nous garder nous gain en pile instrument que nous exposer, instrument qui certainement rare et en Haïti mais nous même nous gagnons dans l'école là, nous exposer pour nous célébrer la musique. C'est une activité nous fait avec en pile joie et c'est première édition hein. L'année prochaine, rendez-vous à Cassé pour la deuxième édition. Activité ça, il pas joindre un financement personne non. Nous ne recevons pas financement pour lui, sinon nous sommes capables de dire que gros bailleur nous, c'est l'Église épiscopale d'Haïti qui tient à cœur le patrimoine, ça, qui tient à cœur l'école là, et l'importance dans la société. Là. Et l'activité ça, elle rentre dans le cadre non seulement pour nous dire que musique n'a pas péri en Haïti, surtout la musique classique, parce que l'École de musique Sainte-Trinité joue le rôle d'ambassadeur de la musique classique en Haïti. C'est pour nous dire que la musique n'a pas péri, elle n'a pas péri, mais tout pour nous dire que la musique joue un gros rôle dans la vie monde et la musique est capable d'aider à changer la situation que nous avons aujourd'hui. Pas seulement le tremblement de terre là qui frappe nous fort. Récemment, soit en janvier, M. Armeo a fait irruption dans le local là. Et nous, à la rue pavée, nous avons porté un paquet d'instruments nous aller. Et ça a fait nous souffrir en pile. Ça, c'est quelques instruments nous avons gagnés qui l'a longtemps. Par exemple, si vous regardez un rap, ce n'est pas tout le monde qui connaît lui. Peut-être que vous entendez nous, chrétiens au lit, nous dans la Bible, mais vous ne connaissez pas. C'est des bagages qui constituent patrimoine l'école là. Nous gagnons, nous perdons en pile, mais bon Dieu a fait nous grâce, nous gagnons quelques restes qui étaient. Essayons de nous exposer, nous gagnons depuis avant le tremblement de terre là, mais tout nous gagnons après le tremblement. Dans un premier temps, nous ne pensons pas que l'étape grandiose comme ça, mais nous vraiment contents, nous vraiment satisfaits et nous avons un staff solide. L'école de musique Sainte-Trinité a fonctionné, mais nous n'avons pas dit normalement, pour que ça n'est pas totalement normal, c'est parce que nous sommes obligés d'annuler le concert de Pâques que nous prévoyons pour le mois d'avril à cause de l'insécurité. Il y a plus d'activité nous pas capable faire mais à chaque fois une activité tomber dans occasion qui gagne plus turbulence nous pas capable faire nous stopper lui nous camper sur ça mais l'autre activité nous camper n'a pas avancé nous gagne un cours qui fait et cours privé et cours pour élèves l'école Sainte-Trinité et cours pour collège Saint-Pierre Saint-Martin de Tours nous gagne méthodiste de frères que nous là l'école de musique là avec yo et nous gagne tout yo annexe dans Pétionville. Il y a des activités qui ne sont pas faites en bas ici, mais qui sont faites dans Pétionville. Et une principale activité que l'école a gagnée, c'est camp d'été. Et année encore, on a organisé camp d'été. Et nous invitons tout le monde qui est capable, les gens qui veulent apprendre la musique, les gens qui ont un niveau qui t'a aimé ou boosté ou avancé. L'école de musique là a fonctionné. Son fierté, moi, est-ce que moi, jeune, ça nous transmet, il y a reproduit et il y a fait continuité. Alors moi-même, moi, t'as aimé souhaiter que les parents prennent ça très au sérieux parce que l'étude musicale, là, moi-même, c'est exemplaire. Il a servi parce qu'il permet de faire le tour du monde et pas regrette. Il permet de faire un paquet de générations et des jeunes qui sortent positivement non, grâce à la musique. Quand si de nous quelques, par exemple, nous avons Louis Michel, Jean-Jean Roosevelt, James Jamin, c'est des jeunes qui passaient. Kaila,
qui viennent prendre des formations et qui tant d'autres encore dans la génération ça, qui continuent à faire travail, qui fait plaisir musique et qui fait fierté nous-mêmes comme haïtiens. Alors moi-même, je dis nous, bonne fête, Kembe Red, pas mon parce que musique là, ou dormir musique, ou lever musique, ou mourir musique. Bonjour les fêtes de la musique, nous connaissons que haïtien musique participer dans tout ça n'a pas fait l'amour, mariage, fête, toute activité. Et pour une fête musique, pour nous garder que tout rare coin pays a ta une activité rare, monde qui danse musique, bal tout côté, mais c'est comme ça ça est à cause de crise politique. Même content tout parce que il y a des institutions qui kembe et ça nous gagne la pour transmettre de génération en génération. So, moi souhaite que ces dernières années, ces derniers 21 juin que n'a passé comme ça, 21 juin 2025, fête musique là m'pap di nan Port-au-Prince seulement mais l'a fêté dans tout racoin pays d'Haïti, côté qui pi loin jusqu'à Port-au-Prince. Nous souhaite chaque grand haïtien bonne fête de la musique Kembe la Palagi.